Il y a eu un film, oui, de la catégorie cohésion spéciale. Oui, cohésion spéciale. Les petits, je comprends pas assez. J'ai nommé collection Vanilla Hour. Ouais. Vanilla Hour. Autrement, on va tout ça, voilà. Cohésion, jeux, comme ça. Oui, j'ai beaucoup de jeux, comme ça. Je présente maintenant, c'est après. Préparez-vous. Vanilla Hour, c'est maintenant. Et c'est pour vous en février 2010. Ouais. Voilà. Vous êtes prêts? Voilà, je devais le faire aussi. Hein. Commence par le premier jeu, sorti à l'époque en digital d'abord. D'abord, c'est un fantasme de jeu 8, c'est Muramasa, que tout le monde fait digital. Comment ça? C'est vraiment quelque chose aussi, mais en débat comme tous les jeux européens, hein, c'est pas lui, le franchi. C'est typique des ninjas, tout ça, bien dur. Donc je vous conseille, je recommande ça, c'est Gémon, j'ai assisté la dernière fois, pour mieux en 1200, mi même pas. Voilà. C'est là, qu'un beau livret, belle page. Voilà. Donc je vous conseille, malheureusement, on n'est pas sorti. Enfin, si, mais on ne l'a pas. C'est le premier jeu sorti à l'époque, en 2013, je pense. On a mis l'assisté en Vincent Beckham, et la fois le corps. Ouais, mais pas tout le monde. Après, tu as côté jeu cross. C'est le fameux Dark Throne, sorti en 2013-14 je pense, le mot Dark Throne en PS3 et PS Vita. J'ai pas traduit, je pense, à l'époque, mais après ils ont fait traduire, je pense, plus. Voilà, c'est PS4, et là c'est la version Vita européenne à l'époque, que j'ai fait patiner dans quelques collections avec un ami, voilà, bien dur, hein. Et que je conseille parce que c'est un jeu, puis c'est un jeu multi, tu joues à 4 en même temps, Vita en même temps. Il va falloir 4 Vita, 4 jeux différents, il va falloir que j'ai PS4, PS3 tu peux aussi, il va falloir 4 mètres aussi, voilà. Mais ça marche aussi. Merci les sons PS3 Vita, et merci les sons remasterisés, les sons Pro, voilà. Les sons PS4 Pro qui est sorti il y a quelques temps. Une manière qui est déjà bien rare, parce que voilà, qui est un beau boîtier, bien fait, voilà. Donc je vous conseille, si vous avez envie de faire des bons jeux, bien, voilà. C'est pas beau, c'est magnifique ça. Bon, les bras, ça sert à rien, mais bon, voilà.
C'est pas une vraie, c'est une feuille. C'est une feuille, c'est une feuille qui sert à rien. Voilà. Sur PS4, de Dragon Scroll qui est sorti récemment et que je disais bien côté. Alors ça c'est maintenant mon petit préféré. Odin Sphere, que voilà, version Vita, Odin Sphere, voilà. Version PS4, et Vita d'abord. Et la PS4 qui est là, dans le jeu. Voilà. Voici métallique, voici Steelbook. Voilà. C'est un collector que je viens de montrer. Voilà, il y a avec la belle boîte, allez, comme ça. Sorti en 2016, en juin, je pense. J'ai acheté en même temps les deux, voilà, à mon photo. Ils ont d'autres collecteurs pour moi, les choses que j'ai là. Sur un petit artbook, une carte, le jeu avec ce Steelbook, voilà. C'est là, je vais montrer ça. C'est vite fait. C'est du bon, c'est du bon hiervaire, c'est du bon jeu. C'est un jeu qu'il faut faire. Ouais, bon. Il existe un PS3, j'ai pas assez, mais j'ai envie de rester bien. Il y en a deux côtés. Voilà, un book, ouais, comme ça. C'est quelques pages du fait. Là. 64 pages, ouais. Le côté, il coûtait même pas 70 euros, je pense, à l'époque. Je pense, ouais, c'est ça. Mais il méritait largement, rien que ça. Voilà, quelques jolies cartes, allez. Voilà. C'est magnifique. C'est bien sûr. Je vais montrer dans la collection de jeux. Vous avez vu la collection de jeux dedans, mais là c'est une question par boîte, enfin par compagnie. Enfin, vous avez vu la collection de jeux. Et là c'est vraiment par boîte, on voit comment c'est élaboré. Voilà. C'est plus en valeur le titre des jeux. Voilà. Là c'est pas du goodies, justement, on va le citer justement. Goodies. Voilà, le goodies, voilà. L'accessoire que vous voyez ici, pour le petit. Accessoires donc on prend une pochette de rangement pour le Pedita, des Magic Mix original team, des couleurs orange, transparente et jaune, et une protection d'écran, comme ça vous voyez là, sur des 15 cm, c'est 15 cm environ, voilà comme ça. Voilà, c'est ça que je vais prendre en 2016 pour même pas trop bien, même pas. Voilà, puis voici. Ça c'est le truc que je frappe. C'est ma Vita. Le petit rangement pour la Vita, voilà ça. La cover. Et voici le petit foulard que voici, qui est vraiment magnifique. Et qui conclut une petite collection. Il y a Atlus, parce que c'est le mot que vous voyez, mais c'est pas. Il travaille pour Atlus, mais non, mais il m'intéresse assez à ces gars. Ils sont très très beaux jeux. Par an, c'est compagnie, c'est bon, mais bon. De toute façon, les jeux évocatifs, voilà. Je vous conseille, ceux qui sont fans de cette série, n'hésitez pas à me faire savoir. Moi, j'ai peut-être envie de refaire, de grimper dessus, ce que j'ai pas fait, vu que mes je peux en refaire, vu que ma chaîne est exclue, en fait, j'ai envie de dire tout ça. Voilà, c'est une petite collection sur Van Universe, Atlus. Si vous appréciez, n'hésitez pas à le faire comme ça, plein de commentaires, ou par un petit pouce. Je vous remercie, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Sur ce, à bientôt. Prochaine vidéo présentation, ou aussi vous pouvez. Voilà, c'était Raphaël. Au revoir, bientôt. Bye bye. Et à la prochaine. Et ça. Je vais faire le trilogue parce que j'ai vu la trilogue, tiens, par rapport. Enfin, tiens, j'ai besoin de ma trilogue, mais pas. Je sais pas, j'ai fait une par jour, je crois que c'est pas mal. Ça reste longtemps.